Salut mes cookies, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et on va faire ensemble une nouvelle recette kawaii. D'ailleurs, si vous aimez les recettes kawaii, vous pouvez déjà mettre un gros pouce bleu sur la vidéo parce que vous savez quoi? On va non seulement faire une recette kawaii, on va faire une recette kawaiissime. On va réaliser une glace à la pastèque en forme de pastèque et en plus, vous n'aurez même pas besoin de bol pour la manger parce qu'on va réaliser un bol en chocolat qui est 100% comestible. Vous voulez savoir comment faire? Eh bien, allons-y! C'est parti! On aura besoin de 400 ml de crème 35% de matière grasse, 250 ml de lait condensé sucré, du candy melt vert et jaune, des mini ballons, des pépites de chocolat noir et 200 g de pastèques. Première étape, je fais fondre mes candy melt et quand le vert est bien fondu, je poche le jaune en zigzag sur le dessus pour imiter la forme d'une pastèque. J'ai mis le chocolat jaune dans une poche à douille pour que ce soit plus facile de réaliser cette étape. Je trempe ensuite un petit ballon dans le mélange de chocolat jusqu'à la moitié et je le dépose sur une plaque de cuisson pour que ça fige. Je rajoute encore un peu plus de candy melt de couleur jaune pour pouvoir répéter cette opération et je trempe à nouveau un ballon à l'intérieur. Et ça part au congélateur pour 10 minutes. Pendant ce temps, je place mes 200 g de pastèque dans un mélangeur et je mets le tout en purée. Je verse ensuite ma crème liquide dans un grand bol et je la fouette avec un mixeur à main pour réaliser une belle crème chantilly. J'ajoute le lait condensé sucré et la purée de pastèque et je fouette à nouveau. Je termine en mélangeant avec une spatule et j'ajoute toutes les pépites de chocolat noir. Mon astuce pour la recette, quand vous allez retirer le ballon à l'intérieur du bol en chocolat, faites-le très délicatement parce que ça peut se casser et nous, ce qu'on veut, c'est avoir un beau bol pour pouvoir manger notre glace. Vous avez compris? Maintenant, on continue! Après 10 minutes au congélateur, mes coques en chocolat ont bien figé et on peut couper l'extrémité du ballon pour le faire dégonfler. Je l'enlève de la coque en chocolat et je remplis le tout avec la préparation à la pastèque. Et ça part au congélateur pour 10 minutes. Quand la glace a légèrement figé, je rajoute les mini pépites de chocolat noir sur le dessus pour imiter les pépins. Je les enfonce légèrement à l'intérieur de la glace avec mon doigt. Et ça repart au congélateur pour au moins 2 heures. Et voilà, notre glace à la pastèque façon kawaiissime est terminée. Et boum boum boum! Aujourd'hui, on a fait un triple boom. Vous savez pourquoi? On a réalisé une recette kawaiissime que je trouve vraiment trop cool. D'ailleurs, si vous voulez encore plus de recettes kawaii, vous mettez le hashtag kawaiissime dans les commentaires. Et pendant que vous allez faire la lecture du love mail, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une nouvelle vidéo inédite avec une invitée spéciale qui revient d'un long voyage. Vous la connaissez, j'ai très hâte de partager cette vidéo avec vous. Et vous allez voir, on fait un truc de ouf! Mes cookies, je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à très bientôt! Ciao, ciao!